لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخ زلاف بيانفنو سيو ماشين مون بروف اديستانس دان سي تيزيان بارتي de notre لسون كات opérations سور لي نوم راتيونيل On va corriger les exercices de la page 69. Voici la page 69. La page 69 contient des exercices très difficiles qui nécessitent plus d'efforts. Donc il faut faire un effort. Il faut s'écher sur ces problèmes-là. Donc ce sont des exercices très importants, surtout pour les élèves qui sont candidats aux Olympiades des mathématiques. Donc, c'est une très belle opportunité pour euh, ces élèves-là et aussi pour les amateurs des maths. Alors, euh, bon courage et on continuera après. Donc, euh, voici la page 25, page 69. Un rectangle a pour dimension 17 sur 3 et 11 sur 3. Un rectangle, c'est so le well moustaté et les dimensions sont. Euh, on a la longueur et la largeur. Donc, calculer son périmètre, le périmètre ou à Donc, Et son air, l'air ou à l'émissaire. Donc, on veut calculer l'air et le périmètre. C'est quoi le périmètre Le périmètre d'un rectangle, c'est quoi C'est la longueur plus la largeur multipliée par deux. Donc, on peut écrire pour la première question le périmètre de ABCD. C'est quoi? C'est deux fois la largeur, ou bien la, la longueur, plus la largeur. 17 sur 3 plus 11 sur 3. Égal à quoi? À deux fois. Donc, ils ont le même dénominateur. On va additionner les numérateurs. Donc, 28 sur 3. 28 sur 3. Donc, euh, vous allez constater qu'on ne peut pas euh, simplifier. Donc, euh, 2 fois 28, c'est 56. C'est ça, 56 sur 3. Ou encore, l'air. L'air de ABCD. L'air d'un rectangle, c'est la largeur fois la longueur. Donc, 17. Donc, je peux écrire d'abord AB, ou bien AB fois AD. D'abord. C'est quoi AB C'est 17 sur 3 fois 11 sur 3. Si on effectue la multiplication, excusez-moi, je peux, ou bien ah 17, regardez 17, 17, la multiplication par 11, c'est très facile. Donc 187, 187, 187 sur sur quoi Sur 3. Donc, euh, voilà, c'est ça l'air le, le, et le périmètre. Deuxièmement, si on ajoute 5 sur 3 à chacune de ces dimensions, regardez, on va ajouter... Donc, on va additionner ici, donc, euh, chacun de ces dimensions. Donc, on va ajouter à la largeur 5 sur 3 et on va ajouter... 5 sur 3 à sa longueur, c'est ça Donc, quelle est l'augmentation de son périmètre Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va euh, calculer de nouveau le périmètre et, et, et l'air. Donc, on va calculer de nouveau le périmètre et l'air. Donc voilà. Donc c'est quoi ça ici? Donc, c'est sur 3. Ici, on aura combien? 22 sur 3. 22 sur 3. Et on va reprendre, bien sûr, on va calculer de la même manière le, le périmètre de ABCD. Ça sera combien? Ça sera 22. Ça, c'est le périmètre, voilà. Donc, ça sera 2 fois la largeur plus la longueur. Donc, 22 sur 3 plus la largeur, c'est sur 3. Donc, c'est une question de calcul, c'est très facile. Donc, 22, ça sera 38 sur 3. Et 38 sur 3, ça va donner 76 sur 3. Ça, c'est le périmètre. Et l'air aussi, de nouveau, A, B, C, D. L'air, c'est quoi? On va multiplier 22 sur 3 fois 16 sur 3. Je peux utiliser la calculatrice, excuse, <coughs> excusez-moi, pardon, parce que je me trompe souvent. Hein donc, euh, donc, 22 fois 16, 22 fois... C'est égal à 352. 30 352. 352. Sur quoi? Sur 9. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc pour calculer euh, l'augmentation, y'a ni et Le périmètre est l'air. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va prendre. Cet là celui-là, donc 9, le c'est z combien 76 sur 3, moins 56 sur 3. Donc il va augmenter de, de ce nombre-là. Donc ça, c'est très facile, 20 sur 3. Donc, le A, c'est z, on peut dire centimètre ou bien euh, donc suivant la dimension euh, suivant l'unité il y a le il y a le centimètre ou y a le il y a le centimètre un y centimètre carré, etc Ou y le mètre, le mètre carré, etc donc quoi encore euh, voilà, 352 sur 9 moins quoi ah, 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 regardez j'ai commis une grave erreur ici, parce que c'est la multiplication donc ici c'est 9. Je m'excuse, hein? 3 fois 3. Donc, ici, lorsqu'ils ont le numérateur, on a on additionne. L'addition, quand je m'aille, les numérateurs. Mais ici, on va multiplier. Donc, euh, 187 sur 9. Si on effectue la soustraction, 352 moins 142. C'est une question de calcul, c'est très facile. 150, 165. 165 sur 9. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 26. M est un point de AB. Regardez. Et on a AB, AC, BC, etc. Donc tel que AM égale à 3. Donc on a AM et que ça vous hein? La parallèle à droite c'est-à-dire la droite MN, la parallèle à BC passant par M coupe AC en, en N, donc le est mystique, elle est nocta M, il y a il y parallèle à BC, il coupe AC en N, il y a Calculez le périmètre euh ouais, <revenge> <Dätzenanz Commandant> du quadrilatère. Le quadrilatère il a quatre côtés, donc <inaudible> <parle。vention sans inaudible> <inaudible> 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 on a MN CB donc on va calculer l'air de ce donc le... c'est quoi le périmètre regardez le périmètre c'est très facile le périmètre le mouhit de MNCB, c'est quoi regardez le périmètre cmn plus nc donc c'est qu'est-ce qu'on fait on additionne les longueurs de, de ce côtés adla. MN plus BC plus BM. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bien sûr, on va voir quelle est la longueur de chaque côté. Brisbane BC, vo le voilà, on a déjà. NC, regardez, il manque NC. Donc, on va calculer NC. MC. MC, regardez, euh, ce n'est pas MC. MN. Mn, MN MN pardon. Mn, on va calculer MN, on n'a pas MN. Et BM, regardez. BM. BM c'est quoi BM? Regardez. On peut calculer BM parce que, que on a, B, euh, on a Donc, B que AB B on a AM. Donc BM ce n'est que AB moins BM. Donc on va écrire comme ça. C'est-à-dire on va déterminer. Donc on va dire. Euh, BM Donc on va calculer BM. Calculons. Donc, on va calculer chaque côté, bien sûr. Calculer BM. On va dire BM. C'est quoi BM Donc, pour calculer BM, on va prendre AB moins AM. Ça y est. AB, c'est quoi 14 sur 4 moins AM. C'est quoi AM Moins 3. Donc, on va les mettre au même dénominateur. 14. Voilà. Moins... Regardez, AB moins AM. Voilà. Donc euh, 14 sur 4, c'est pas B. Oh. Voilà. ABC 24 sur 5. Oh. C'est pas dans la BC. Donc un ordre ABC 24 sur 5. Donc on va les mettre au un ordinateur. 24 sur 5. Moins quoi? Moins. Euh, 24... Euh, non, euh, fois 5 donc 15 sur, sur 5. C'est quoi, ça 24 moins 15, ça va donner 9. 9 sur 5. Donc, voilà, BM. On a calculé BM. Donc, euh, qu'est-ce qui manque encore On va calculer encore euh, NC. Donc, voilà, BM. Donc, on a calculé BM. NC. Et quoi encore MN. Pour calculer NC, MN, regardez... Je vais utiliser le théorème des trois, euh, des trois rapports. Qu'est-ce que je vais dire Dans le triangle, on va dire dans le triangle, excusez-moi, je peux gagner plus de... Donc je peux écrire dans le triangle ABC. Regardez, on a M appartient à ab n appartient à AC et Mn il est parallèle regardez Mn est parallèle à BC donc euh, d'après le théorème des trois rapports qu'on appellera l'année prochaine le, le théorème de Thalès de Thalès on a un cas particulier de Thalès AM sur AB égal à AN sur AC, égal à MN sur BC. Donc, euh, d'après cette égalité-là, regardez, on a MN qu'on cherche, AD, MN, BC, on l'a, donc AN. Regardez, nous, on veut NC. Donc, si on arrive à calculer AN, il est à AN, alors on NC. Donc, on a AC, on a AN. Donc, euh, regardez, AM on l'a. Donc, donc, je vais remplacer chaque. AM c'est 3, regardez, 3 sur AB. Regardez AB, 24 sur 5. Égal. AN c'est quoi AN on n'a pas, bien sûr, on va chercher AN. AN sur euh, AC, c'est quoi AC 27. Sur 5. Égal à quoi Égal MN sur BC. 14 sur 4. Regardez ce que je vais faire. Donc, 3 sur 24 sur 5, ça va donner... Regardez. Elle dira à tous les 5 fois 3. Regardez. 5 fois 3 sur 24. Ou bien 3 fois 5 sur 24. Égal. Elle dira à tous les 5... AN sur 27. Elle dit 5 MN sur 14. Voilà. Donc, elle a, 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 a tous les 15. Donc, elle tous les 15. Je peux remplacer, elle a dit tous les 15 sur 24. 3 fois 5. Donc, on va utiliser ces égalités donc pour calculer AN. Donc, elle a dit Donc... A Regardez ici, 5 AN, n, il va être 27 fois 15 sur 24, donc 5 a n, regardez. a a, b égale à c d. Donc, il y a a, si on a, quand b fois c, on va d. c, d fois a, on va le Donc b, etc. Donc, je vais avoir 5 AN. n, donc 5 a n, il 27 fois 15, regardez, 5 a n, Égal à 25 fois 15 sur 24. Voilà. Donc, regardez, je peux euh, simplifier par 3 ici. Il a 15. Donc, euh, je peux écrire, regardez, je peux écrire égal à 25 fois 3 fois 5. Regardez sur 3 fois 8. Regardez, 3 fois 8. Donc, je simplifie par 3. 5 fois 25. Je peux calculer 5 fois 25. Regardez ce qu'on 5 fois 25. Je me trompe souvent à quand je me est égal à 125 sur 8. Voilà, dit 5AN. Donc, AN n égal à quoi Excusez-moi, normalement, mais c'est pas grave. A dit tout le 125 sur 8 divisé par 5, c'est-à-dire fois 1 sur 5. Donc divisé par 5, c'est. Donc je peux encore simplifier par 5. Donc à tout le nan, AN et c 25 sur 8. Et à partir de AN, je vais calculer NC. Donc je peux dire même donc. NC c'est quoi? C'est A c euh, on a, ou bien je peux dire, on a... NC égale à AN moins... Euh, non, AC moins AN. NC oui, AC moins AN. Je peux euh, remplacer AC, c'est quoi? C'est AC, c'est 27 sur 5 moins... Ici, c'est quoi? 25 sur 8. Aïe, 8 fois 27. Donc, c'est très facile, donc 27. 8 égale à 216, donc à tous les, on a 216 moins 5 fois 25, 125 sur 40. Donc à les, on a 216, donc égal à 216, 216 moins 125 égale à 91. Ça, c'est pour NC, regardez. Donc, on a calculé NC. Voilà, NC, c, NC. Voilà. a dit NC. Ou quoi encore Ah, on va calculer NRA, NBM. Voilà, a NC. Donc, qu'est-ce qu'on veut encore euh, Il manque <coughs> encore MN. Pour calculer MN, rendu Donc, on va utiliser cette, euh, cette euh, égalité-là. La même chose. Donc, on va y dire c donc c 5 MN. On a aussi 5. 5 MN, c'est 14 fois 15 sur 24. 14 fois 15 sur 24. Je peux même écrire encore, donc... 5, MN, regardez. Donc c'est 14, parce que je vais simplifier avant d'effectuer les calculs, sur 24 fois 5. Donc regardez, je vais simplifier par 5 ici et par 3. Donc je peux écrire. Ah, je, pardon, MN, elle dit MN. Donc MN, ça sera combien? Ça sera 14 fois 5, fois 3, sur 8, fois 3, fois 5. Je simplifie par 3, 5, 5. 14 sur 8 aussi. Ah, 14 sur 8, je peux simplifier par 2, égal à 7 sur 4. Donc, MN, c'est 7 sur 4. Donc, il y a les C'est l'idée qui est, euh, qui est euh, essentielle. Le reste, c'est du calcul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Donc, le périmètre, donc, le périmètre de MNCB, c'est quoi On va additionner. Donc, c'est quoi MN? 7 sur 4. Plus NCB. On a trouvé NC, c'est 91 sur 4. Plus quoi encore euh, Qu'est-ce qui reste BC, 14 sur 4. Heureusement, ils ont tous le même numérateur, sauf celui-là. Edna, 9 sur 5. C'est quoi ça C'est BM. BM, c'est 9 sur 5. Donc, ils ont le même nateur. 91 plus 7, a 98. 98 plus 14. Donc, 98 plus 14. 112 donc, 112. donc, 112, sur 4. Plus 9 sur 5. Et ici, je vais multiplier 5 fois 112.

Voilà le périmètre de notre trapèze. MNCB, ce n'est qu'un trapèze. 27. L'exercice 27, soit à un nombre rationnel tel que, donc, euh, on veut calculer A plus 1 sur A à partir de ça. Regardez bien. Euh, on va utiliser bien sûr euh, les identités, etc. Donc, euh, donc, regardez, je vais partir à une mm, et je vais calculer cela. Je vais euh, commencer par cette égalité à une Hadi, et je vais trouver A. Regardez, on a 2A sur A au carré moins 2A plus 1 égale 1 sur 4. Regardez, c'est très important. Donc, donc, si vous avez A sur B égale C sur D, si vous passez à l'inverse, le donc si on inverse A sur B, c'est-à-dire B sur A, alors ça va être égal à D sur C. Vous savez, il a un Donc, regardez, je vais inverser les, les, tous les deux nombres, les deux nombres à la fois. Donc, il y a A au carré moins 2A, hein? moins 2A plus 1. Sur, sur quoi Regardez, sur 2a. Égal à 1 sur 4. Maintenant, regardez, on aura a au carré, je vais décomposer a au carré sur 2a, moins 2a sur 2a, plus 1 sur 2a, égale 1 sur 4. Donc euh, ici je peux euh, simplifier par 2, regardez ici je vais euh, simplifier par a, parce qu'on a a au carré, a fois a. Donc j'aurai, donc ici celui-là, il va donner euh, a sur 2, regardez, plus, euh, pardon, moins 1, plus 1 sur 2a égale à 1 sur 4. Nous, qu'est-ce qu'on cherche A plus 1 sur A. Donc, regardez ici. <coughs> Je vais écrire A sur 2 plus 1 sur 2A égale à 1 sur 4 plus 1. Donc, regardez ici. Je vais factoriser par 1 sur 2. 1 sur 2 facteur de A plus 1 sur A égale à 1 sur 4 plus 4 sur 4. Égale à quoi ici? 5 sur 4. Donc on a 1 sur 2 fois celui-là égale à 1 sur 4. Égale à 5 sur 4. Donc regardez, 1 sur, 1 sur 2, facteur de 1 plus 1 sur a égale à 5 sur 4. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a 1 sur 2 fois ce nombre-là. C'est comme si vous avez 1 sur 2 fois un nombre x égal à 5 sur 4. Donc, ce, ce x-là, il est égal à combien C'est comme une équation. Donc, x égale à 5 sur 4 divisé par 1 sur 2. Donc, je vais écrire, je vais écrire A plus 1 sur A égal à quoi Égal à 5 sur 4 divisé par 1 sur 2. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que divisé par 1 sur 2, ça veut dire 5 sur 4 fois 2. On multiplie par l'inverse. Donc, je simplifie par 2. Et finalement, on aura A plus 1 sur A, égal à quoi A5 sur 2. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 28. Regardez. On a x un nombre rationnel non nul tel que x moins 1 différent de 0 x plus 1 différent de 0 on considère les nombres a et b on considère on a traversé a, a, a x sur x moins 1 ou b c'est x sur x plus 1 montrer que a moins b sur a plus b est égal à 1 sur x donc qu'est ce qu'on va faire on va partir radine tal comme a dit ou radine à égale 1 sur x regardez a moins b. Je vais d'abord écrire a moins b, a moins b, regardez a moins b. Mais après, je vais euh, simplifier A plus B. On va bien le quotient. A moins B, c'est quoi A moins B, on X sur X moins 1. Moins X sur X plus 1. C'est quoi ça Donc X fois X plus 1. Regardez. X, faites attention au calcul. Moins X fois X moins 1. Le tout sur X moins 1 fois x plus 1. Voilà la règle. Qu'est-ce que je dire A fois d moins b fois c sur b fois d. Il y a la règle. Donc, euh, je, ce, je, je développe ah, char, x fois x à à x au carré plus x. Faites attention ici. Si, moins x fois x, ça va donner moins x au carré. Moins x fois moins 1, ça va donner plus x non. Faites attention, ici j'ai l'identité remarquable A moins B fois A plus B A au carré, X au carré, moins 1 au carré, c'est 1 A moins B fois A plus B Vous l'avez vu l'année dernière Donc A au carré, moins B au carré Elle dit l'identité, qu'elle se l'identité remarquable C'est très important Donc A moins B égale à quoi égale x plus x, ça va donner maintenant 2x sur x au carré moins 1. Ça, c'est quoi C'est a moins b. Donc, on va calculer maintenant a plus b. Je fais a plus b, à la tâche. Hein? Donc, x, la même méthode, x moins 1 plus x sur x plus 1. Donc, euh, qu'est-ce qu'on aura On aura la même chose, x facteur de x moins 1, c'est-à-dire la même méthode, pardon. x moins 1 sur x moins 1 fois x plus 1, attends, on aura x au carré moins 1, l'identité. Là, je développe x au carré moins x plus x au carré moins, moins x. Donc, euh, pardon, on aura plus 1. Ah x fois x plus 1, on a x fois x moins 1. On a réaction à plus x. Voilà, je simplifie par x et moins x, deux nombres opposés. On a x au carré moins 1. On a réaction à 2x au carré sur x au carré moins 1. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va avoir a plus b. Donc a plus b, c'est quoi C'est 2x au carré sur x au carré moins 1. Donc on va faire le quotient. On dirait le a moins b sur a plus b. C'est quoi? A moins b, le voilà. Et a plus b le voilà. Ça fait un quotient. Donc 2x sur x au carré moins 1 sur 2x au carré sur x au carré moins 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, égal. Donc on ardeau le premier, 2x sur x au carré moins 1, et on va le multiplier par l'inverse de celui-là. x au carré moins 1 sur 2x au carré. Je simplifie. Je simplifie par 2 aussi. On aura x sur x au carré. Je simplifie encore par x parce que x au carré c'est x fois x. Je simplifie par x, on aura 1 sur x. Tout simplement. Donc euh, on a enfin que a moins b sur a plus b. Ce n'est que 1 sur x. On passe au suivant. L'exercice 29. A. Ah, vérifiez que ta hakak a. Donc, n, c'est un entier naturel non nul. Et cette, euh, une, cette égalité, normalement, il est vérifié pour n'importe quel euh, x, même euh, même si ce n'est pas un entier naturel. Regarde. Donc, et là, on va, on va commencer par cette expression. On va montrer il est égal à ça. Donc, on va vérifier. Donc, 1 sur, regardez, 1 sur. 2 facteurs de 2n moins 1. Moins 1 sur 2 facteurs de 2n plus 1. Regardez, pour montrer cette égalité, qu'est-ce qu'on va faire Donc, regardez, je vais, euh, je vais euh, les mettre au même dénominateur. 2, ok, il 2, ok, 2n-1, il y en a 2n-1. Donc je vais multiplier ici par 2n plus 1, celui-là par 2n-1. Bien sûr, je vais euh, multiplier l le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc là, il y a 2n plus 1. Le dénominateur, regardez, je vais le multiplier par 2n plus 1. Voilà, 2n plus 1. Donc, j'ai multiplié sur 2N plus 1, si. donc, moins, ici, on va multiplier par 2N moins 1, pour avoir le même dénominateur. La même chose, donc, 2 facteurs de 2N plus 1, facteur de 2N moins 1, égal, donc, maintenant, ils ont le même dénominateur, je peux écrire le tout sur 2 facteurs de 2N moins 1, facteur de 2N plus un. Faites attention ici. Ça, le trait, il joue le rôle d'une parenthèse. Normalement, il a vu que c'est 2n plus 1 parenthèse, moins parenthèse, 2n moins 1. Mais moi, regardez ce que je vais écrire 2n plus 1. Regardez ici. Donc, moins, normalement, il y a une parenthèse. Il y a une parenthèse. Il joue le rôle d'une parenthèse. Donc c'est moins 2n. Ce pas moins 1, mais plus 1. Donc faites attention. Alors, la parenthèse, moins la parenthèse. Si je supprime la parenthèse, bien sûr, précédent signe moins. Je vais changer les signes. Regardez. Maintenant, je supprime. Donc, 2n moins 2n. Donc on aura égal à quoi? Égal à. Euh, égal à 2 sur 2 deux fois 2n deux plus 1 facteur de 2n moins 1. Je simplifie par 1, 2, pardon, et on aura 1 sur 2n plus 1 fois 2n moins 1. Voilà. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire On déduire mmh. le calcul de s. Donc, euh, on déduira de la somme. Donc, regardez, S, je vais écrire S égale. Ça, c'est deuxièmement 1 sur 1 fois 3. Regardez bien. Donc, euh, on veut calculer S. Donc, je peux écrire euh, 1 ou bien plus 1 sur 3 fois 5. Plus 1 sur 5 fois 7. Plus 1 sur 97 fois 99. Moins, pardon, plus 1 sur 99 fois 101. Regardez bien. On veut utiliser had le résultat. C'est quoi ça Regardez. Had le résultat qu'on a montré, le voilà. Voilà. Ça. Qu'est-ce qu'on a montré on a montré que 1 sur 2n moins 1 fois 2n plus 1 égale à 1 sur 2 fois 2n moins 1 etc et là pour un choix de n, il a dit n dans chaque cas, head de un l'exemple. 1 sur 1 fois 3. Donc si on prend n, fait le cas, donc head le head, je peux, à partir de cette égalité-là, head je peux dire que n, ce n'est que 2n moins 1 par un certain n bien choisi, bien, bien sûr. Il a dit n roi 1, fête de cas, radi e a 1 2 1, 2 e 1, et si je prends toujours n égale à 1, bien sûr, 2n plus 1, ah, et on 3. Donc ici, on aura 1 sur 2 moins 1, sur quoi euh, Sur 2 euh, fois, pardon, voilà. Euh, il a dit, donc, il a dit, il a n ou 1, donc, il 1, c'est 2n moins 1, ou 3, ou 2n plus 1, donc, 2n moins 1, donc, 2 fois 1, moins 1 sur 2 fois 3, de même, 1 sur 3 fois 5, il ou 1 sur 2 fois 3. 3, fois un, ou 2 moins 1, ou 5, c'est-à-dire 2 plus 1. Donc Réoulez, moins 1 sur 2 fois 5, et ainsi de suite. Donc regardez ce qu'on ce ce qu qu va avoir. Donc en utilisant cette, cette égalité, regardez. on a 1 sur 1 sur fois 3. Réoulé est 1 sur. Pardon. 1 sur. Un sur 2 fois 1 fois 2, moins 1 sur 2 fois 3. Réoulez 1 sur 2 fois 3, moins 1 sur 2 fois 5. Réoulez 1 sur 2 fois 5, moins 1 sur 2 fois 7, plus, 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 etc. Mais j'annonce le 1 sur ce nombre-là. Regardez.

Moins 1 sur 2 fois 101. Donc là, j'ai utilisé. Donc, voilà. Regardez. Je vais simplifier. Moins 1 sur 2 euh, fois 3. Plus 1 sur 2 fois 3. Simpl... Moins 1 sur 2 fois 5. Plus 1 sur 2 fois 5. Moins 1 sur 2 fois 7. Radiculen. Plus 1 sur 2. Etc. Jusqu'à ici, regardez. Moins 1 sur 2 fois 99. Plus 1 sur 2 fois 80. ou il y quelqu'un qui le précède. Du coup, Donc, et alors, enfin, on aura ces deux-là. Donc, il 1 sur 2. Moins 1 sur 200, si vous voulez, 202. Et si on. Ça Il y a l'idée principale comment utiliser. L'écriture, l'expression qu'on a trouvée. Donc, de cette forme-là. Et après, on simplifie. Et maintenant, c'est très facile. On a 101. On a tous les 102. 202 moins 1 sur 202. C'est quoi C'est 100 sur 202. On peut simplifier par 2 ou bien voilà 2 ratatines à 50 sur 50, euh, pardon, sur 101. On passe au suivant exercice 30. Donc presque la même idée. Donc calculer A et B, regardez. Donc, donc on a 5 moins 100 sur 2020, 5 moins...

في واحد المرحله غادي يولي عندنا 5 موان اش ريغاردي بيان 100 سور اه ريغاردي سي تري امبورطون 20 دونك غادي نوصلوا لواحد ضروري نوصلوا لواحد اه اه واحد ليكسبريسيون اللي غتكون فيها 5 موان سون سور 20 لان دا اي شونج ها هو 2020 2019 وكنزلو حتى نوصلوا لواحد ولكن قبل ما نوصلوا لواحد اه غادي نلقاو اون اه فا اه تروفي Ce nombre-là, ce facteur-là, 5 moins. Donc, parmi ces facteurs, nous avons les facteurs, nous avons les facteurs, nous avons les 1000, 100 sur 20. Et 100 sur 20, c'est 5. Donc, nous a 100 sur 20, nous avons 100 sur 20, nous a 5 nous avons 100 sur 20, 20 nous 5 donc, 5 moins 5, c'est 0. Donc, nous 0, 0 hein, et 0 fois n'importe quel nombre doit être 0, donc, on aura le résultat, c'est 0. Vous Regardez maintenant le b, b, B comment euh, On va voir v, B. on a, a 1 moins 4, hein, fois 1 moins 4 sur 9, fois 1 moins 4 sur 25, etc. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, regardez, ce, on a 4 sur, euh, 4 sur 9. Donc, on peut... Donc euh, on peut euh, l'écrire sous la forme 2 sur 3 au carré. Donc regardez, je peux, je vais factoriser si vous voulez. Donc encore. Donc 1 moins 4 radiatina moins 3. Fois, regardez, 1 moins 4 sur 9. 1, si vous voulez, 1 au carré moins 2 sur 3 au carré. Regardez, c'est très important. Voilà. Facteur de 1 au carré moins 2 sur quoi 5 au carré. Plus, euh, pardon, facteur de 1 moins 2 sur 7 au carré. Facteur de 1 au carré. Donc, parce que je vais... Anna Brinkbein, bien Anna A au carré moins B au carré. Et ça, on peut l'écrire sous la forme A moins B fois A plus B. Elle dit est numéro 3. C'est ça ce que je veux montrer. Donc, un euh, ouais, au carré. Donc, le suivant, 1 moins 4 sur euh, 49, 7, 64. Donc, Raikon 10, mais au carré. 3 au carré 9, 5 au carré 25, 7 au carré. Regardez, 5. Au canard, il met les nombres père Donc, 49, pardon. Donc, euh, je connais 7, donc 81. 1 au carré, moins 2 sur 9 au carré. Voilà. Fois, je vais... Qu'est-ce qui qu est -ce qu y a avant Je connais 1 moins 1 au carré, moins, euh, si vous voulez, euh, 2 sur 2021, 2019. 19. Au carré, regarde. Et après, je, je peux écrire 1 au carré moins 2 sur 2021 au carré. Voilà. Regardez maintenant. Je vais, elle dit, c'est une identité. Je peux écrire moins 3 fois quoi? 1 moins 2 sur 3. Fois 1 plus 2 sur 3. 1 moins 2 sur 5 fois 1 plus 2 sur 5. L'identité, je répète. 1 moins 2 sur 7. 1 plus 2 sur 7. Etc. On va dire. Fois Ici, c'est fois. 1 moins 2 sur 2019. 1 fois euh, 1 plus 2. 2 sur 2019 fois 1 moins 2 sur 2021, 1 plus 2 sur 2021, et alors regardez, et là, et là, vous allez euh, vous pouvez vérifier ça. Radicule nana, a dit qu'on en a 3 moins 2, à 3 à à à à donc à

2021, et là, 2023, regardez, 2023 sur 2021, donc regardez, on a oh, on a quoi ici On a des nombres et leur inverse. moins 3, ici, on a le signe moins, bien sûr, vous allez constater que tous ces facteurs sont positifs, sauf celui-là, donc moins radiebrale moins, donc 3 avec 1 sur 3, 5 sur 3 fois 3 sur 5. Et du coup, nous avons un show 7, 7, 5, 5. Jusqu'à ici, regardez. Voilà, celui là. Celui-là. Voilà. Et celui-là avec celui-là. Celui. -là. Pardon. Voilà. 2019 avec 2019 Et 2021 à 2021. 2017, je vais vous Donc, que je vais vous dire voilà, je voilà. Il va rester moins 2023 sur 2021. Tout simplement. On passe au suivant. Euh, ici, on vous va... C'est que c, c je dit z d'un vacuum ce sont des exercices normalement des olympiades des mathématiques donc sachant que sachant que l'égalité calculez donc on va calculer c'est astucieuse regardez ce que je vais faire on dit l'expression x sur x moins a regardez c'est très astucieuse y sur y moins b plus z sur z moins c. Regardez ce que je vais faire, Je vais regarder, je vais retrancher a et ajouter A. radin x a on z a radin dire x moins a plus a et ça sur x moins a plus radin dire moins b plus b. Vous allez voir pourquoi y moins b plus z moins c plus c sur z moins c égale. Voilà donc je vais séparer. Regardez x moins a, là x moins a, radine, x moins a sur a. radine euh, Je vais euh, décomposer plus a sur x moins a. Je tiens à on a ouais, là. a sur x moins a. Et là, la même chose. y moins b sur y moins b. Plus B sur Y moins B. Ah ouais, B sur Y moins B. Plus Z moins C. Sur Z moins C. Plus C sur Z moins C. A Z moins C, c'est AC sur Z moins C. Ouais, dégoûté comme Ouais. A un es C, là c'est faux. Hein? Donc, on a... Regardez. on a un Plus A sur X moins A. Voilà. Et derrière, si on a 1 plus P sur Y moins P, et derrière, si on a 1 plus C sur Z moins C. Regardez, on aura 1 plus 1 plus 1. Donc, on a Donc, on a A sur X moins A plus P sur Y moins B. Plus c sur z moins c. C'est ça? Ouais, 2 c'est x C'est quoi ça? Ça c'est 2. Ouais, là c'est 3. Donc 3 plus 2 égale à 5. Tout simplement. On passe au dernier exercice. Là c'est des Olympiades. C'est très facile. C'est très facile. Un agriculteur dispose d'un récipient un récipient rempli d'eau pour irriguer ses euh, plantations irriguer les plantations donc le nèvre tête ou le liendeau il a utilisé trois quarts de l'eau dans un seul champ c'est le trois quarts de l'eau dans un seul champ après cela il lui reste 20 litres d'eau il a mis 3 4 d'eau, châtonné 20 litres d'eau dans le récipient. Il lui reste, donc, bac lié là-haut, je vais le terminer avec le sitir là, le kensimoana. Quel a été le nombre de litres dans le récipient? Donc, on va dire, soit, soit c'est une équation, soit x, le nombre. Le nombre de litres. Le nombre de litres dans le récipient. Donc, je x. Donc, elle a pour exprimer 3 quarts de l'eau. Et elle est 3 quarts de x. Donc, il a utilisé 3 quarts de x. C'est quoi le 3 quarts Donc, il a utilisé, donc on va dire, il a utilisé trois quarts, trois quarts de l'eau, il y trois quarts x. Il a utilisé 3 quarts x. Donc, il reste, regardez, le reste, normalement, c'est x avec le, avec le nombre moins 1. Hein, donc, le reste. Donc le reste, on voit x, ed xilien fi, moins ed xilien fi, 3 quarts de x. 3 quarts, de le chéhajar, ou 3 quarts, on voit ed xilien fi, on voit Donc le reste, ou est égale à quoi Égale à 20 litres. Voilà. Ça, c'est une équation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va factoriser Et ici, donc, Helena, x moins 3 sur 4 fois x. Donc, qu Il y a deux manières pour le faire. On peut, par exemple, mettre au méménateur radin goulou ln x. Il y en a 3 sur 4x, ou à 3x. Donc radin goulou 4x sur 4, ln moins... Regardez. Je peux, voilà, là. Donc, pour résoudre l'équation, on dit 4x. Je vais mettre au méménateur 4x sur 4, moins 3x sur 4 égal à 80 sur euh, 4, le hommes de même dénominateur. Donc ça, on l'a vu l'année dernière. Donc radine simplifie 4. Comment j'ai simplifié Normalement, j'ai multiplié les deux membres par 4. Donc euh, voilà. Donc 4x moins 3x, ça va donner x. Yeah, il dit X égale à k 80. Donc euh, le nombre ou bien voilà, le nombre de litres dans le récipient, c'est x égale à 80. Normalement, euh, la question ici, c'est de euh, savoir comment, euh, bien sûr, exprimer le nombre de litres, ou bien euh, le nombre utilisé, si vous voulez, ou bien la quantité utilisée, de poser euh, une, ou bien euh, de savoir comment mettre ou bien de poser une euh, équation et après la résoudre donc là qui fait il a équation ça on l'appelle modélisation en mathématiques donc le nombre de litres c'est 80 et à la prochaine vidéo